ça existe, un raciste aveugle. Est-ce que la montre d'une femme fontaine, c'est une flic-flac? Pourquoi est-ce que faire l'amour à une femme, ça me coûte si cher? Je suis seul dans mon monde, dans ma tête ça tourne en rond. Je suis seul dans mon monde, ma tête c'est ma prison. Je suis seul dans mon monde, dans ma tête ça tourne en rond. Je suis seul dans mon monde, ma tête c'est ma prison. Pourquoi est-ce que l'eau périmée a le goût de la Contrex? Pourquoi est-ce que dans les trains, il y a des fauteuils qui roulent dans le sens inverse? Pourquoi, pourquoi? Comment, comment? Est-ce qu'un médecin qui fait une autopsie sur une femme enceinte, il est payé le double? Je suis seul dans mon monde, dans ma tête ça tourne en rond. Je suis seul dans mon monde, ma tête c'est ma prison. Je suis seul dans mon monde, dans ma tête ça tourne en rond. Je suis seul dans mon monde, ma tête c'est ma prison. Pourquoi est-ce qu'un schizophrène a quand même besoin d'un miroir? Est-il possible de voyager à la vitesse de la lumière dans le noir? Je suis seul dans mon monde, dans ma tête ça tourne en rond. Je suis seul dans mon monde, ma tête c'est ma prison. Je suis seul dans mon monde, dans ma tête ça tourne en rond. Je suis seul dans mon monde, ma tête c'est ma prison. Bonsoir, je m'appelle Redouane Arjan, et vous? Statistiquement, dans cette salle, il y a forcément un homme qui porte des sous-vêtements féminins. Avant d'aller plus loin dans ce spectacle, sachez que je suis pas du genre à me questionner sur mes problèmes mentaux. Je laisse ça aux familles des victimes et aux rescapés de mes précédents spectacles. Merci à vous de vous être déplacés jusqu'à Paris pour venir me voir jouer ce soir. Très content de vous accueillir dans cette salle, très pratique, la cigale, très pratique pour moi vu que j'habite juste en face, et vu que je porte un bracelet électronique. C'était la seule salle dans laquelle la police m'autorisait à jouer. Par contre, je dois rentrer avant 22h, alors je vais vous demander de rire compact. Et de bien vouloir garder vos applaudissements pour quand vous serez chez vous. Et si jamais vous aviez l'intention de me faire une standing ovation à la fin, je vais vous demander de me la faire, mais maintenant.
j'avais pas envie de jouer ce soir. Mais je me suis renseigné auprès des assurances pour que je joue pas et que je sois quand même payé. Il aurait fallu que vous, le public, vous soyez moins nombreux que moi. Ou alors que moi, je sois moins nombreux que moi, que... Ça marchera jamais, le truc. Très, très grosse soirée, hier soir. Wouh ! Très, très grosse soirée. Et j'étais tellement bourré, là, en discothèque, que j'ai dragué ma propre femme. Ça m'a niqué la soirée, le truc. J'ai dû rentrer avec elle, du coup. L'alcool. Mais ce qu'ils mettent comme produit dans l'alcool pour quand t'es bourré, tu te mettes à parler plus fort. L'autre soir, moi j'étais bourré là, tu sais quoi? J'appelle mon ex. Elle décroche, comme ça elle dit « Hey, hey, pourquoi tu m'appelles Redouane? Et pourquoi est-ce que tu m'appelles toujours quand t'es bourré ?» J'ai dit « C'est toi aussi, pourquoi tu décroches toujours quand je suis bourré ?» Elle m'a raccroché au nez et tout. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai rappelé, moi. Ah, c'est son mec qui décroche, il dit, hey, t'arrêtes de l'appeler maintenant, elle est avec moi. Je dis, hey, moi, pourquoi c'est jamais moi qui décroche quand on appelle ma meuf? Ça vous est déjà arrivé, vous, ça? Moi, ça m'arrive tout le temps, moi, ça. C'est que, hey, à partir de quel moment on a arrêté de me respecter, moi? Eh, je suis pas une merde, moi. C'est pour ça que j'ai écrit ce spectacle. Enfin, écrit. J'ai écrit vite fait des petits bouts comme ça sur des post-it à quatre. Que j'ai collé là comme ça à l'arrière de ma guitare, tu vois. Mais vu que j'ai pas du tout la même écriture que mon ordinateur, j'ai du mal à me relire, tu vois. Une fois, je suis allé me voir jouer pour voir ce que je faisais. Mais j'étais pas là, du coup. Je m'attendais. Une autre fois, j'étais tellement défoncé que je me suis vu assis dans le public. La drogue. Et hier, j'ai compris une de mes blagues. Franchement, je vous plains. Ça va être une longue soirée. Des fois, il y a des gens, ils viennent me voir et me disent « Hé, Redouane, il parle de quoi ton spectacle ?» Je sais pas, moi. J'ai jamais vu. Des fois, je me dis qu'il faudrait que j'arrête d'être paranoïaque. Mais comme je sais jamais c'est laquelle de mes personnalités qui me le dit, je me méfie. Ouais, wow, wow. Wow ! Qu'est-ce que vous faites tous assis dans ma chambre ? Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder ? Vous me jugez, c'est ça ? Ouais, vous me jugez. Je me sens jugé. Faut dire que j'ai eu une enfance très particulière. J'ai eu une vie de famille très particulière. Mes parents se sont rencontrés pile le jour de ma naissance. Le jour de ma naissance, je faisais tellement vieux que les médecins, ils pensaient que c'était moi le père. Mon père, sacré personnage. Il avait aucune mémoire. Du coup, il nous frappait plusieurs fois par jour. Tu connais ce moment quand tu te masturbes en regardant un porno dans ta chambre et que ton père te surprend en regardant le film et décide de le regarder avec toi?
Voilà, ça c'est ma vie. J'adore les pornos. C'est ma passion. J'adore ça. Tu sais que tu regardes beaucoup trop de porno quand tu te mets à reconnaître les acteurs alors qu'ils sont masqués. Mais je la reconnais, cette tache de naissance, là. C'est John Fuck, ouais. Mais tu sais que tu vas beaucoup trop loin dans le porno quand tu commences à manger pendant que t'en regardes un. J'ai grandi à Metz. Ça fait cet effet-là en règle générale. Dans une rue très, très prostituée, tu vois. Avec plein de prostituées là où j'habitais, dans, en haut, en bas, partout, en diagonale, partout, tu vois. Ma babysitter, c'était une ancienne prostituée, Carla. Je l'adorais, elle était gentille, douce, super femme. Elle avait un petit chien, là, un chihuahua. Je l'ai jamais vu marcher, le chien. Tu connais ces gens qui portent leurs animaux? Tu sais, ils portent leurs... Tu connais ces gens-là? J'espère qu'ils sont morts, ces gens-là. Ceux qui portent leurs animaux dans leur sac à main, tu sais. J'ai jamais vu marcher... Un jour, elle a posé le chien par terre, il s'est noyé, le chien. Il a fallu quitter le cocon familial, tu vois, pour aller tenter sa chance sur Paris, la capitale, la ville lumière, la ville du show business, la ville du show, enfin, du chômage dans mon cas. C'est une galère, cette ville. J'ai trouvé un petit appartement, là, enfin, plus une chambre de bonne, en fait. Sauf qu'on m'avait pas dit que ce serait moi, la bonne. J'ai une superbe vue sur vis-à-vis. Sur la vie de mon voisin, en vrai. C'est lui qui vit ma vie. L'autre soir, j'entre à la maison, j'allume la lumière, il me dit « Éteins !» Chez moi, c'est tellement petit que je suis obligé de sortir pour avoir de la place. C'est chaud, c'est très très petit, du coup on peut pas avoir une vie sexuelle épanouie dans mon appart, tu vois. Je veux dire, on peut pas rentrer à deux chez moi, tu vois. L'autre jour, je ramène une femme à la maison pour lui faire l'amour, et du coup, bah, c'est trop petit, tu vois. Du coup, elle m'a attendu sur le palier, tu vois. J'ai fait mon truc tranquille. Après, je suis sorti, je l'ai attendue, tu vois. Peut-être qu'un jour, je vais la toucher. Ah, c'est tellement petit que quand j'ai une érection, je suis obligé d'ouvrir la fenêtre. Bon, je suis pas à plaindre, tu vois, j'ai tout le confort qu'il faut, tu vois. J'ai une kitchenette. Pour ceux qui parlent pas l'anglais, c'est juste une plaque électrique. Mais bon, il a fallu aménager ce bordel, tu vois. Là, j'étais m'acheter des petits, tu vois, j'étais acheté un lit, là, dernièrement. J'adore les lits. C'est ma passion. J'ai plein de lits dans ma chambre de bonne. Là, je rentre dans un magasin de literie, là, de lits, là, tu vois. Je vais voir le vendeur, je lui dis bonjour. Il me dit bonjour. Je lui dis, tu vas pas commencer à répéter tout ce que je dis, toi. Visiblement, c'était un provocateur, le mec, tu vois. Puis tu sais quoi, pendant qu'il me parle, tu vois, je commence à observer autour de moi dans le magasin. Et vous avez déjà observé l'atmosphère qu'il y a dans les magasins de lit? Vous avez déjà observé l'ambiance qu'il y a dans les magasins de lit? Tout le monde chuchote dans un magasin de lit. C'est, on dirait, ils veulent pas réveiller des gens qui font semblant de dormir. J'ai vu des mecs essayer des lits dans les magasins de lit, ils s'allongent vraiment, tu vois. Ils vont jusqu'à fermer les yeux, tu vois. Complètement con, ce mec-là, ou quoi, tu... Complètement taré.
Tu connais ce mec-là dans le magasin de lit qui essaye le lit juste en s'asseyant sur le rebord du lit? Tu connais celui-là? Tu sais, il s'assit comme s'il rebondit un peu. Ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, ouais, il est pas... Je veux dire, c'est complètement... Tu le fais qu'une fois dans ta vie, ce truc-là. Une fois que t'as acheté le lit, tu le fais plus chez toi, ce machin-là. Il est con, ce gars-là. J'espère qu'il est mort. Meurs, 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 meurs. En plus, entre nous, ça devrait être ouvert la nuit, les magasins de lit. C'est là où le sommeil, il est en plein boom, tu vois. Ça n'a pas de logique. Mais bref, je vois le vendeur, il est encore là, tu vois. Il commence à me poser des questions, tu vois, en mode psychanalyse du sommeil, tu vois. Il me dit, comment est-ce que vous dormez, en règle générale? Il commence... allongé. Il me dit non, mais plutôt sur le ventre, sur le dos. Je lui dis, qu'est-ce que tu cherches toi exactement? Ils sont chelous à toi tes questions. Je sais pas comment je dors moi. Je sais comment je m'endors. Je sais pas comment je... Il faudrait que quelqu'un me filme. Ou alors qu'on m'observe pendant mon sommeil. Mais quand on m'observe, je le sens, alors ça me réveille. Et du coup... C'est quoi, à un moment donné, je regarde dans le magasin, je vois un matelas, il est spécial. Je vois, il est spécial, tu vois. Je lui dis, c'est quoi ça comme matelas, monsieur? Il me dit, très bon choix, monsieur. C'est un matelas à reconnaissance corporelle. C'est-à-dire qu'il reconnaît votre corps. Je lui dis, ça veut dire quoi, le délire? Genre, si quelqu'un d'autre que moi dort dans le lit, il l'étouffe? Ou alors, genre, si je rentre du boulot, le lit, il me reconnaît? Hé, hey, Redouane, alors, ta journée au travail? Et toi, mon lit, bien reposé? The fuck, j'ai vu qu'il y connaissait rien, le mec, je me suis barré. Si vous voulez mon avis, derrière chaque vendeur de lit, il y a un chômeur qui sommeille. Je suis rentré chez moi. Dans ma chambre de bonne. Je me suis mis à regarder le plafond. Je me suis dit, c'est pas ça la vie que je voulais avoir quand j'étais petit, non. Beaucoup d'hommes ici dans cette salle, quand ils étaient enfants, rêvaient d'être astronautes ou pompiers. Mais pas moi, non. Moi, je voulais être un cheval. L'histoire raconte celle d'un cheval qui ne voulait personne sur son dos. Non pas qu'il était homophobe, mais il ne voulait personne sur son dos. Son père avant lui tirait des diligences. Son grand-père juste avant lui portait des hommes sur son flanc. C'est tout. On n'a jamais vu un cheval porter un chapeau de cow-boy. On n'a jamais vu un cheval assis sur le cheval d'un manège. On n'a jamais demandé à un cheval s'il voulait jouer dans un western. Alors qu'un western sans cheval, c'est juste des hommes. Je lui ai dit ho, il m'a dit hey. Je lui ai dit ho ho, il m'a dit hey. Je lui ai dit ho, il m'a dit hey. Je lui ai dit ho ho, il m'a dit hey. On n'a jamais vu John Wayne attaché devant un saloon, en train de boire de l'eau et d'attendre que son cheval sorte du saloon. Non. On n'a jamais vu un cheval parier sur un autre cheval au tiercé. Ils n'ont pas de notion d'argent. Le cheval, il est cool, il est pas raciste. Il s'en fout de savoir s'il est cheval cow-boy ou cheval indien. Il est cheval...
On a déjà vu un homme avec une queue de cheval. Jamais vu un cheval avec une queue d'homme. Je lui ai dit oh, il m'a dit. Je lui ai dit waouh, il y a trop d'échanges ce soir à la Cigale. Paris, vous êtes en vie ou quoi? Ah, je lui ai dit, il m'a dit. Je lui ai dit, il m'a dit. This is the story of the horse and the knight in front. La morale de cette histoire, c'est que dans ce putain de monde d'égoïstes, on respecte bien plus les cow-boys que les chevals. Je lui ai dit. Il m'a dit, hey. Je lui ai dit, oh, il m'a dit, hey, this is the story of the horse in the night, the rings was the end. Quand je me suis rendu compte que je pourrais jamais être un cheval, la semaine dernière, j'ai décidé de mettre de côté mes rêves d'enfant zoophile. Et d'accepter de rentrer dans la vie d'adulte. Pas facile comme machin. Franchement, je sais pas si je vais y rester, moi, perso. La vie d'adulte, c'est chaud. On n'est pas préparé à ce machin-là. J'ai jamais développé autant de phobies depuis que je suis adulte. J'ai peur de tout. Des transports en commun, du commun. Tout ce qui est collectif me fait flipper. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas assis dans la salle avec vous ce soir. Transports en commun, le métro. Le métro, c'est une aventure à Paris. C'est chose qui se passe dans le métro. Il y a des distributeurs de préservatifs dans le métro. Je veux dire, à quel moment tu te dis vite, maintenant, tout de suite, il faut que je baise. Entre deux correspondances, j'ai pas le temps. Il y a des vendeurs de fruits et légumes. Je veux dire, la pomme n'a jamais vu le soleil de sa vie. Pourtant, elle est là. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu voyais un mec, un gamin, pardon, de 4 ans avec une clope au bec. Hé, hey, salut monsieur, bonne journée petit. C'était beaucoup plus drôle dans ma tête ce que je viens de faire là maintenant. Le métro, c'est une aventure. Tu connais ce moment quand le métro à l'arrêt, pendant une minute ou deux, c'est long une minute. Une minute d'arrêt pour un métro, c'est très long, tu vois. Et personne t'informe de ce qui se passe, tu vois. Qui est venu se faire crever sur ta ligne, tu vois? Toi, t'es là, tu t'impatientes, t'es excité. Il y a toujours un mec, tu connais ce mec-là, qui sort du métro, qui sort de la rame. Tu sais, quand le métro est à l'arrêt, il sort. Tu sais, il sort en mode « je vais tous vous sauver ». Je connais très bien comment que ça se passe dans le métro. Tu connais ce gars-là, il sort, il regarde vers le conducteur, tu sais, en mode « qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Et tu sais, tout le monde le regarde, mais lui, il regarde personne, tu vois, en mode « ouais, c'est bon, ah ouais, c'est bon, ouais. » Et puis, tu sais, il re-rentre dans la rame en mode « c'est bon, on n'avance pas, ouais. » Meurs, mais meurs! Tu connais cette voix dans le métro? Tu la connais cette voix, cette petite voix-là qui arrive régulièrement, mesdames et messieurs, des pickpockets sont susceptibles d'agir dans la station. Tu connais cette voix? Elle est dans toutes les langues, cette voix-là. Elle est en espagnol, en italien, en allemand, en anglais, en japonais, sauf... en arabe.
Coïncidence ? Je ne crois pas. Le métro. Le train aussi, c'est une aventure. Le train. Alors, on est entre nous, je me permets. J'ai réalisé un de mes fantasmes dernièrement. J'ai fait l'amour dans les toilettes d'un train. Ouais. Le truc, c'est que le train avait tellement de retard qu'à l'arrivée, je devais lui payer une pension alimentaire. C'est chaud. Le train. Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux dans un train une fois que t'es au wagon-bar. Tu peux boire du vin rouge, des bières, jouer aux cartes, mais dès que t'es au téléphone, illégal. L'autre jour, je suis au téléphone, comme ça, normal, il y a le contrôleur qui arrive, il me dit « Monsieur, le téléphone est interdit dans le train. » Je lui dis « Même si je suis au téléphone avec quelqu'un qui est dans un autre wagon ?» Le train. Le train, c'est chaud. Tu connais ce moment quand dans le train, il y a un bébé qui se met à pleurer ? Tu connais ça, dans ton wagon ? Qu'il y a un môme qui se met à exister, là ? Avec sa voix et son corps, là, il y a toujours un mec qui sort sa tête de derrière le fauteuil. Tu connais ce gars-là ? Le même qui essaye Lily, là, tu connais ce gars ? Il sort, il est vénère, tu vois, il regarde le bébé, il est chaud, tu vois. Il est chaud, qu'est-ce qu'il parle, le bébé, là ? Il est chaud, tu vois. Et tout le monde dans le wagon, il regarde le mec en mode, vas-y, dis-lui au bébé, ouais. En 2017, il y a des gens qui mettent des coups de pression à des bébés. Drôle d'époque dans laquelle on vit. Le train. L'avion aussi, j'ai la phobie de l'avion, c'est chaud. Quand il y a des turbulences, tu connais ça quand il y a des turbulences et que tu regardes par le hublot? C'est con comme truc. C'est invisible à l'œil nu, les turbulences. Ça se voit pas par le hublot. Le seul truc que tu vois arriver, c'est le sol. Ferme les yeux, imagine-toi un atterrissage en douceur. Con comme truc. Quand il y a des turbulences, tu t'agrippes à ton siège. T'attrapes les mains du voisin, t'es en panique, t'es crispé, t'as peur, tu vois. Et les seuls gens qui se la racontent, t'as vu, c'est les stewards. T'as vu comment ils se la racontent quand il y a des turbulences ? T'as vu comment ils marchent tranquille, les stewards ? T'as vu comment ils se la pètent ? C'est parce que dans la vraie vie, ils boitent. Il y a le commandant de bord qui prend la parole. Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Évite-les. Le mec te prévient. Évite-moi tout ça. L'hôtesse de l'air, quand elle tire le rideau. Tu connais ce moment-là ? Quand elle tire le rideau, la séparation entre la classe économique et la business. T'as vu le regard qu'elle te jette quand elle tire le rideau ? C'est pas pour toi, sale pauvre. Tu deviens con dans ta tête, tu te dis, oh là, il se passe des trucs derrière ce rideau, ouais. Oh, ouais, ils boivent de l'or, ouais. Oui, ils boivent de l'or, ils mangent du caviar, ouais. Oui, je le sais, ils sont déjà arrivés. À quoi elle ressemblait la réunion des architectes, les gens qui ont conçu cet espace-là, qui se sont dit à cet endroit précisément, Jean-Eudes, nous allons installer un rideau. De façon à ce que les pauvres ne puissent pas passer. C'est simple comme bonjour, mais c'est du génie. Mais c'est du génie, Charles. C'est du génie. Les pauvres ne comprendront jamais le concept du rideau. Ils en sont encore à gratter la terre avec leurs ongles sales. C'est brillant, merci Jean-Eudes. Je suis excité de ces trouvailles, mais moi aussi. Baisons-nous. C'est chaud. L'avion. L'aéroport, c'est une mission aujourd'hui, en 2017. Il y a tellement de scanners dans les aéroports que c'est un douanier qui m'a annoncé mon cancer. Chaud, ouais. Tu connais cette voix là dans l'aéroport ? Tu connais cette voix qui revient encore ? Cette petite voix qui revient ?
Mesdames et messieurs, veuillez nous signaler tout colis suspect ou abandonné. Tu connais cette voix, là ? Toi, t'es là, tu pars en vacances, t'es en sandalette, en pantacourt, tranquille, après une dure année de labeur, tu pars en vacances et ils te demandent de trouver des bombes, les mecs. What the fuck ? C'est chaud, je te jure. C'est peut-être là où tu te dis, des fois, les terroristes, ils nous ont terrorisés, tu vois. L'autre jour, je pars en vacances, comme ça, tranquille, j'étais avec ma petite sandalette, mon short, mon billet d'avion, mon sac à dos, tu vois, et j'entends l'annonce, tu vois. Et moi, je me suis mis à flipper dans ma tête, je me suis dit, hey, tu sais quoi, j'étais avec mon sac à dos, comme ça. Mais j'ai dit, mais je porte jamais de sac à dos, d'habitude, moi. C'est moi qui ai fait mon sac à dos. Qui c'est qui a mis des... Quelqu'un, il a mis des... Tu sais quoi, je flippais tellement, j'ai été me dénoncer. Ils m'ont dit, rentrez chez vous, monsieur. Mais non, mais... Je commençais à être phobique de mes propres phobies, tu vois. Du coup, j'ai été voir un psychiatre. J'étais le voir, j'ai dit, monsieur, il faut me guérir, il faut m'aider, tu vois. Le mec me dit, je peux vous aider, mais je peux pas vraiment vous guérir. Je dis, moi, je peux te taper, mais je peux pas vraiment te faire mal, tu vois. Il me dit, non, mais comprenez-moi bien, c'est-à-dire que je peux déplacer votre phobie vers une autre phobie. D'ailleurs, quoi le délire ? Genre, je vais commencer à être phobique des parcs-mètres. Je dis, oh non ! Il me dit, sortez plus, rencontrez des gens, acclimatez-vous. Je me suis mis à sortir. C'est là que j'ai rencontré ma femme. Ah, j'ai rencontré une femme, mesdames et messieurs, magnifique. Sublime, belle, intelligente. Hein ? Le seul problème, c'est que c'est son enfant, quoi. Je peux pas le blairer, le mot. Ah là, un môme, j'ai envie de l'annuler. Ah, je peux pas le blairer, le machin, tu sais, avec sa tête là. Ah ! En plus, moi, tu sais quoi, j'ai du mal à me... Je sais pas trop comment me comporter, moi, avec les enfants, tu vois. Jusqu'à maintenant, moi, le seul rapport que j'avais avec les enfants, c'était dans les parcs. Ou alors à la confrontation face au juge. L'autre jour, on était à la maison, comme ça, tranquille, j'étais en train de... Tu sais, parce qu'en plus, moi, tu sais quoi, moi, dès qu'il y a un... Les mômes, oh, tu vois. Dès qu'il a un truc, l'enfant, bah moi je le veux aussi, tu vois. L'autre jour, j'étais en train de jouer avec sa PlayStation. Tu sais, il vient, il commence à toucher mon chapeau. Tu sais, je lui dis, arrête ça, là, espèce de puceau. Il s'est mis à pleurer et tout. Il est rentré dans sa chambre. Ouais, de toute façon, t'es pas mon père. Et tout, il a claqué sa porte et tout. Bah non, je suis pas ton père. Il est parti, ton père. Avec une femme beaucoup plus jeune que ta mère. Mais là, il y a sa mère à côté qui me dit, mais ça va pas, Redouane, de lui parler comme ça. Tu vas le traumatiser, l'enfant. Le traumatisme, ça va, oh ! On peut plus rien leur dire aux enfants aujourd'hui, là. L'enfant roi, le traumatisme, dès qu'on lui met une claque à l'enfant. Mais non, ça va devenir un psychopathe dans 20 ans, hein, ça va. Moi, j'ai pris de ses raclées quand j'étais petit. J'en boite encore, hein. Ça va, ça m'a pas empêché de devenir quelqu'un de stable. Elle me dit, ta mère, toujours ta mère. Eh ben, t'as qu'à y retourner chez ta mère. Eh ben, c'est quoi ? Eh ben, ouais. Je suis retourné chez ma mère. J'ai fait une dépression. J'ai pas le permis, je fais pas de sport, je suis un peu gras. J'ai pas une thune en poche, quand je sors, je traîne en bas de chez moi. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out. Même ma vie sexuelle
est jalouse de ma main. Et mes parents sont mes seuls vrais copains. J'suis en burn-out. J'suis en burn-out. J'suis en burn-out. J'suis en burn-out. Je regarde ma vie passer, peut-être que je vais me croiser. Je me prends par la main et je viens me chercher. Dans le miroir je me vois, mais je ne me reconnais pas. Je me fais passer pour moi, mais même moi j'y crois pas. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out. Dans les files d'attente, je suis celui qu'on ne voit pas. Si un jour vous me croisez, c'est pas dit que ça soit moi. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out. Au travail, les collègues ne m'ont jamais fait rire. Je fais la paix avec moi-même que pour mieux me trahir. Célibataire de père en fils. Je suis en burn-out. Je suis en burn-out. Faites groover votre déprime. Bien burné chez ma mère, j'ai décidé d'aller trouver du travail. J'étais m'inscrire au Pôle emploi. Au Pôle emploi spectacle, pour les intermittents du spectacle. Je pensais qu'il y allait avoir que des artistes, en fait, il n'y avait que des chômeurs. Je m'étais toujours demandé où c'est qu'ils allaient, les gens de nuit debout la journée. J'étais assis à côté d'un mec, comme ça, je le regarde un moment, je le regarde, et le mec, c'était un rasta blanc. Je lui dis, t'es là pour quoi, toi? Il me dit, moi, je fais du diabolo. Je lui dis, c'est pas un métier, ça? Il me dit, si, non, mais là, en fait, je suis en stand-by parce que je vais faire un remplacement. Je vais remplacer un pote marionnettiste dans une troupe de tête de rue. En fait, on va aller faire. On va faire tout un panel. En fait, ce qu'on a fait, on a demandé une subvention à la mission locale. On va en allouer une calèche. On a loué une calèche, en fait, et on va aller jouer pour tout un. On va aller jouer pour les paysans, tu vois. Pour tous ceux qui. Les milieux. Ceux qui ont pas les moyens culturellement, tu vois, d'aller au théâtre. Il y a beaucoup de suicides dans les fermes, alors on va jouer pour eux. On va essayer de les initier au théâtre. Et tu sais quoi, pendant qu'il parlait, je l'écoutais comme ça. Et dans ma tête, je me disais, lui, il va plus jamais retravailler de sa vie. C'est foutu.
tête comme ça un moment et je vois, il y a une femme à côté de moi, elle est avec son bébé, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait là, ce bébé? Ils ont pas le droit de travailler, les bébés, tu vois. Et je vois, elle a le bébé dans un bras et dans l'autre, elle monte un téléphone avec des autres photos de bébé. D'un autre bébé qu'elle a eu, visiblement, tu vois, il a pas pu venir au rendez-vous, tu vois. Elle le montre à une copine à elle, ils sont en train de se parler de bébé, tu vois. Ça, c'est lui quand il était petit. Ça, c'est lui quand il avait 6 mois. Là, il marche, oh, il marche. Oh, ça se découvre. Moi, ça fait 30 ans que je marche maintenant. Je veux dire, ça impressionne personne, tu vois. Quand je rentre dans une pièce en marchant, il y a personne qui fait waouh, arrête. Et waouh, vous avez vu ce mec là-bas? Qu'est-ce qu'il a, 30 ans, pas plus, mais il marche. Les bébés, toujours à tirer la couverture à eux. Regardez-nous, on est mignons, on est des bébés. Hey, cassez-vous avec votre corps, là. Leur corps, là, les bébés, je peux pas les voir, les bébés. Et je peux... Hey, ça va, c'est bon. Régisseur, c'est un bébé, toi, il aime pas, quoi. Il y a des bébés dans la salle? Pas trop ça, moi, vous. Avec leur corps, là, mi-homme, mi-gros, là, ils sont... Chouï, bébé. Pas les voir, on dirait pas des toxicomanes en manque, les bébés. Les toxicos, ils sont chelous, ils sont là, ils sont coupés. Ils regardent dans le ciel, ils veulent attraper des trucs qui n'existent pas. Ils mettent leur langue dans des multiprises. Complètement tard, ils ont jamais de thunes sur eux, ils sont toujours à te gratter. Hé, frère, vas-y là! Bébé là. Je peux pas aller voir ceux-là là. Ils ont aucune hygiène de vie là. Ils chient dessus en permanence. Mauvais délire les bébés. Je comprends rien à ce qu'ils disent, ils ont aucune diction. Quoi? Les seuls mecs qui peuvent communiquer avec les bébés, c'est des mecs bourrés. T'as déjà vu un mec bourré quand il y a une maman qui promène son bébé dans un parc? Il y a toujours un mec bourré qui va vers la maman avec sa canette. Hé hey, la maman, elle le bébé. Et tu sais, le bébé, il le comprend. Ouais, je me suis barré de là. J'ai vu que c'était une ambiance de fou, la Pôle emploi. Si vous voulez mon avis, les seuls gens à qui ils trouvent du travail au Pôle emploi, c'est les gens qui y travaillent. Je suis rentré chez ma mère, quoi. Et là, ma mère, elle me dit, t'as pas trouvé de travail? Je lui dis, non, maman. Elle me dit, c'est normal, t'as vu le corps que t'as. Bouge-toi un peu, fais du sport. Je sais qu'on dirait pas comme ça, mais je suis beaucoup plus sportif que mon corps. Quelle connerie, le sport, ça. Quelque chose dans une salle de sport, il n'y a que des freaks. Complètement malade. Vous avez déjà mis les pieds dans une salle de sport là dernièrement? Il n'y a que des malades. Complètement. J'ai vu un mec, il était mieux habillé technologiquement que le sport qu'il pratiquait. Je te jure, il avait un électrocardiogramme à son poignet, relié à sa poitrine, qui était relié dans le cul d'un autre mec. Dans une... une autre salle, dans une autre dimension, je sais pas où ils sont, les mecs. Complètement cinglé. T'as déjà remarqué dans les salles de sport? T'as déjà vu le mec dans la salle de sport qui est aux machines, qui est là, il est chaud. Ouah, tu connais celui-là? Ouah, pour la famille! Je suis pas de ta famille, moi, laisse-moi tranquille. Dans les sports, dans les salles de sport, il y a toujours plein d'écrans de télé partout. T'as vu les écrans qu'il y a? Avec BFM en boucle, Euronews, Fox News, CNews, Italy, News, 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 News. Qu'est-ce qu'on est informés? Waouh, on est super informés. Non, t'es con. Toi, t'es là, tu vas faire ton petit régime sur ton tapis. T'es chaud, tu vas être au top pour cet été, tu vois. Il faut que tu sois au top, tu veux rentrer dans ton maillot et tout. Et sur les écrans, il y a des enfants qui meurent de faim et tout. Et tout, c'était ça, la vanne. Le sport. Le sport, la drogue dans le sport, le dopage dans le sport. Connerie, moi personnellement, j'ai jamais ressenti le besoin de faire du sport pour prendre de la drogue. Ils sont cons, ces sportifs. En plus, c'est du gaspillage, tu vois.
Je veux dire, t'élimines tout dans la transpiration. Sois pas con. Merde. Défonce-toi la gueule. Reste sur le banc de touche. Et imagine-toi dans un match que t'es en train de gagner, tu vois. Il est terrible le match, yes, mais on joue pas. Le dopage dans le sport, le dopage dans le cyclisme. Le cyclisme, le Tour de France. Il y a un public pour ça. Il y a des gens qui se mettent en bord de national avec une glacière, une casquette Ricard. Et ils regardent des mecs défoncés passer à vélo devant eux. Va à Amsterdam. Il n'y a que ça, des vélos, là-bas. Sport. Connerie, le sport. Qui dit faire du sport dit bien manger. C'est important aujourd'hui, en cette époque. La dictature du corps. Ressembler aux magazines, ressembler aux vitrines, les régimes alimentaires, le quinoa, le soja, le... Moi, je veux de la viande! Je veux du sang! Il faut qu'il y ait au moins un animal qui meurt par jour pour moi. En mon nom. Ouh! Tu connais ces gens quand dans leur assiette il y a un cheveu? Tu connais ces gens-là? Tu connais ces gens qui, dès qu'il y a un cheveu dans leur assiette, oh non, je ne touche pas! Je ne touche pas! Il y a un cheveu dans mon Je ne touche pas! Eh mec, calme-toi, il y a une vache morte déjà dans ton assiette. J'étais au supermarché, comme ça je fais la queue, j'attends. Et là je vois un pote en panique. Il me reconnaît, il me fait: putain Redouane, t'es là, et tu sais où il est le rayon sans gluten? Je savais même pas qu'il y avait des rayons avec du gluten, moi. Est-ce que quelqu'un a déjà vu du gluten en vrai, sérieux? C'est à quelle forme ce truc là? Il est arrivé d'un coup ce bordel là. C'est chaud. La nourriture, la diététique, le bien-être. Ouais, c'est... ouais, j'adore le bio. Le bio, ouais. Bio, ça veut juste dire plus cher, en fait. Tu connais ces gens, plus le fruit il est pourri, plus ils kiffent. Tu connais ces gens, j'adore, ouais, il est décomposé, j'adore, c'est là où il y a toutes les vitamines. Ouais, ouais. Ouais, d'accord, Amélie Nothomb. Ouais, bonne journée. Pas en vrai, cette époque-là, c'est chaud. Les restaurants, les grands restaurants. Là, dernièrement, là, j'ai touché mon RSA. Là. J'ai été me faire plaisir un petit peu, toi. Je me suis invité à une belle table. Toi. Je commande mon plat, le serveur arrive, me ramène mon plat. Et quand il est arrivé, le serveur, on aurait dit une comédie musicale, le truc. Et voici, monsieur, votre saumon sur son lit de fenouil, accompagné de sa pomme de terre vapeur. Tu sais quoi, j'ai regardé le serveur, j'ai regardé mon plat comme ça, je me suis dit, voilà. Le plat, il a un lit. Et il est accompagné d'un pote à lui, le truc. Et c'est chaud, le poisson, il est mort, il a une meilleure vie que toi, le truc. À quel moment on s'est mis à respecter la cuisine comme ça, tu te souviens de l'époque où, quand t'étais au collège, les mecs qui faisaient cuisine, on les respectait pas? Pas, ils n'arrivaient même pas à écrire leur prénom correctement, les mecs. C'est chaud. Aujourd'hui, ils créent des écoles de cuisine et tout. Ils viennent même parler politique à la télévision. Là, l'autre jour, je regarde France 2, là, le journal de 20h. Il y a un cuisinier, il était là, et le présentateur, il dit: est-ce que vous avez des questions à poser au Premier ministre? C'est tout. Ah, le cuisinier, quoi. Il coupe du chou et tout, quoi. What the fuck is going on? Hey, oh! Ça part en vrille, je vous jure, c'est chaud. Ah, la bouffe, c'est chaud. Les émissions de cuisine. L'autre jour, j'étais en train de burner chez ma mère. 4h du mat, tu vois.
je tombe sur Cauchemar en cuisine. Connaissez ça? Gordon Ramsay, là. C'est un mec, il est vénère. Mais il est énervé, mais il est chaud, tu vois. Déjà, le générique de début, c'est des couteaux, ils sont énervés, tu vois. C'est des couteaux, ils se battent entre couteaux, tu vois. Après, c'est lui, il sort d'une Jeep, il est comme ça, il regarde la caméra, il dit « Salut, c'est Gordon Ramsay. Aujourd'hui, on va aller chez la famille Lobster Steakhouse parce que j'ai appris qu'ils vendaient de la merde. » Oh, il est chaud, tu vois. Après, il rentre dans le restaurant, comme ça, il dit au serveur « Garçon, mettez-moi toute la carte. » Comment ça, toute la carte? C'est un con dans l'émission, tu vois. Mettez-moi toute la carte. Il met toute la... Et il lui ramène toute la carte, tu vois. Il mange tout. Il recrache toute la moitié. Puis il est vénère, Gordon, tu vois. Dès qu'il mange un truc, il fait « C'est de la merde !» Je servirais même pas ça à un mec mort. Ce serveur, il a un peu perdu la peur. Et Gordon, il est con. Il lui dit « Vous travaillez ici ?» Ils sont tous dans une autre dimension dans la série, tu vois. Et tu sais, dès qu'il a bien fini de bien recracher tout, tu vois, Gordon, et dès qu'il a bien pas payé, tu vois, parce qu'on l'a jamais vu payer, le bonhomme, tu vois. Regarde le serveur comme ça, il lui dit, bon, allez, c'est assez, là. Convoquez-moi toute l'équipe, tout le staff, tu vois. Il convoque tout le staff, tu vois. Le plongeur, le serveur, il convoque tout le monde. Généralement, c'est un couple qui tient le restaurant, tu vois. Et il prend à part le couple, comme ça. Et il dit au couple, qu'est-ce qui va pas dans votre vie? Ça se sent dans l'assiette, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, c'est ça? Le mec, il parle de tout sauf de bouffe, tu vois. Le mec, il pleure, c'est un ancien Marines. La meuf, elle pleure, ils ont fait des dettes toute leur... C'est une super émission. Je pense que c'est à cause de ce genre d'émission, d'ailleurs, qu'on n'ose plus inviter des amis à manger, tu vois. On a trop peur de se faire juger dans une salle de bain, tu vois. Derrière des slips. Ah, c'est chaud, la bouffe. Tu connais ce moment quand tu rentres chez toi, bourré, 4h du matin, et que tu te dis, je vais me faire une omelette. Tu connais ça? Quand t'es bourré dans ta tête, tu te prends pour Paul Bocuse. Je vais faire une omelette, je vais mettre le curcuma, je vais mettre le curcuma. Sur ton curcuma, il y a de la poussière, tu as jamais touché de ta vie, toi. Ça a quel goût le curcuma, sérieusement? Puis tu t'endors et le lendemain, tu regardes dans ta casserole, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je me suis fait à manger du vomi, moi? De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'aura jamais été aussi déconnectés depuis qu'on est aussi connectés les uns aux autres. Le futur, c'est plus comme avant. Les distributeurs automatiques. Connais ça, les distributeurs automatiques? Quand tu vas retirer de l'argent et que la machine te dit un instant, nous interrogeons votre banque. Ça veut dire quoi le délire? Genre, il y a un mec qui va chez ma banquière à 2h du matin. Il la sort de son lit, il lui met une cagoule sur la tête. Il la met dans un van, il l'emmène dans un hangar. Il lui met des grandes tartes dans la gueule. Est-ce qu'il peut retirer 20 euros? D'autant que c'est à moi que la machine, elle devrait poser la question, tu vois. Je veux dire, c'est mon oseille. C'est à moi, tu vois. Quelle infantilisation de la part de la machine. C'est la machine qui devrait dire, monsieur, est-ce que vous êtes sûr de vous? Est-ce que Redouane, t'es sûr que tu veux retirer cet argent? Franchement, j'ai déconné cette semaine. Je vais pas le faire. Merci, la machine. L'argent. C'est chaud. Une petite observation là que je me suis faite là dernièrement. Là. Tous les gens que vous verrez retirer de l'argent après minuit, c'est toujours pour faire un truc du démon. Tu verras jamais un mec retirer de l'argent après minuit pour aller acheter un cadeau à son fils, tu vois. Mais machine. Technologie, moi, ça me dépasse. Pas plus tard que la semaine dernière, là, je me suis retrouvé bloqué dans les escalators. Ça m'a niqué la journée, le truc. J'ai attendu les dépanneurs pendant des heures, tu vois.
connais ça quand tu te laisses porter par la machine, quand tout se passe bien dans l'escalator, quand tout est en marche, tu vois, dans l'escalator, et que tu te laisses porter tranquillement vers l'avenir, et que tu vas vers l'avenir, comme ça, il y a toujours un mec qui va aller plus vite que toi vers l'avenir. Tu connais ce gars-là qui te bouscule l'épaule comme ça? Tu connais ce type-là que t'espères qu'il est mort? Tu connais ce gars-là? C'est con en plus, je veux dire, ça le fait pas aller plus. C'est comme si tu te mettais à sauter dans un ascenseur. J'espère que je vais arriver avant moi-même. Je cherche du réseau. Quelqu'un connaît le code Wi-Fi. J'ai plus de chargeur, j'ai plus de batterie. Je me Shazam pour voir si j'existe. Y'a sur Instagram que j'ai réussi ma vie. Je selfie, donc je suis. Je fume de l'électronique. J'ai de moins en moins de mémoire. Mon iPhone en a plus que moi. Hyper connecté, hyper connecté, je suis. Hyper connecté, hyper connecté, je suis. J'ai un ami qui a encore une adresse mail ou un ado. Et encore là-bas. Je lui dis, à mon avis, il n'y a plus qu'un seul mec qui travaille tout seul dans un terrain vague avec un seul ordinateur en slip. Dès que mon pote il envoie un mail, je pense ce mec il appuie sur Enter. Je pense même que ce mec-là il attend que mon pote il meure pour pouvoir toucher son chômage. Ouais. Ah ouais, le spectacle. Maladie d'Alzheimer. J'y pense et puis j'oublie. Maladie d'Alzheimer. J'y pense et puis j'oublie. La maladie d'Alzheimer, j'y pense et puis j'oublie. La maladie d'Alzheimer, j'y pense et puis. La maladie d'Alzheimer, j'y pense et puis j'oublie. La maladie d'Alzheimer, j'y pense et puis j'oublie. Thank you.
puis j'oublie. Ce moment, quand tu marches dans la rue et que tu rencontres le coup de foudre, en un regard, vous savez que c'est vous qui. C'est. En un. Le jour, je marche dans la rue, comme ça, je croise une femme et dans ses yeux, je sais que c'est le coup de foudre. Alors, et tu sais quoi? Le seul truc, c'est qu'elle, à un moment donné, elle marche plus vite, tu vois. Alors moi aussi, tu vois. Après, elle, je vois, elle accélère, tu vois. Elle court, quoi. Alors moi, je cours aussi, tu vois. Après, je vois, elle court plus vite que moi. Alors moi, puisque je la fais tomber, tu vois. J'ai une chanson, elle est pour elle. On s'était rencontrés à l'after work, sauf que moi je travaillais pas. Heureusement qu'à l'entrée dans ce genre de soirée, personne demande la fiche de paye. J'ai mis du GHB dans ton verre, mais vu que j'avais pas d'oseille, c'est moi qui bue ta bière. La prochaine chanson, mesdames et messieurs, c'est un de mes hits que vous avez peut-être pu déjà écouter sur mon premier album posthume, exclusivement enregistré en braille, Black Darkness. Ma vie, c'est comme quand en refermant le clic-clac, je retrouve plus mon petit frère. Ma vie, c'est comme quand y'a que la nuit que j'ai les idées claires. J'ai l'impression que la vie, c'est le truc qui m'arrive quand je suis pas là. Ma vie, c'est comme mon CV, mais en moins bien. Ma vie, c'est comme quand ma meuf et ma sœur ont un ex en commun. Mauvais délire. Je me sens comme un analphabète au karaoké. J'ai pas les mots. Souvent pour toi la vie c'est comme dans les films, alors la mienne c'est du streaming. À moitié rêveur, à moitié loser, sans thune, sans taf, sans futur, mais toujours la tête dans les nuages. À moitié rêveur, à moitié loser, sans thune, sans taf, sans futur, mais toujours la tête dans les nuages. Hop. Ma vie, c'est comme quand mon gamin de 5 ans cache la manette de la console pour que j'aille chercher du travail. Ma vie, c'est comme jouer à la roulette russe avec un pistolet automatique.
le suspense est limité. Oh. Ma vie, c'est comme payer avec une Visa Electron. C'est long et j'ai l'air con. Ma vie, c'est comme quand ma meuf me trompe avec mon conseiller Pôle emploi. Mauvais délire. Ma vie, c'est comme quand je perds trop de temps à chercher à écrire un truc intéressant sur le temps. Souvent pour toi, la vie, c'est une porte sans poignée, poignée. C'est que tu es face à un mur. À moitié rêveur, à moitié loser. Sans thune, sans taf, sans futur.